Récession et baisse de l'aide internationale riment avec crise budgétaire pour l'autorité palestinienne. C'est la conclusion d'un rapport de la Banque mondiale sur la situation économique en Cisjordanie. Un rapport qui s'inquiète désormais de la viabilité du projet de construction d'un État palestinien. D'après les données officielles, le montant de l'aide accordée à Ramallah serait de 600 millions de dollars en 2012. Un chiffre en baisse de 40% par rapport à l'an passé et qui ne permettrait pas de couvrir les dépenses du gouvernement et surtout les salaires des fonctionnaires. Conséquence, les Palestiniens accuseraient un déficit de plus d'un milliard de dollars. Pour la Banque mondiale, sans une intervention rapide des pays donateurs, le marasme économique pourrait porter un coup fatal à l'autorité palestinienne.